m'appelle Lola, je suis franco-espagnole et je suis l'une des propriétaires du château Trezac-la-Selve. Nous avons ouvert une maison d'hôtes dans laquelle nous organisions des mariages, des événements, de la musique, du théâtre et des chambres d'hôtes. Moi, je trouve que Félicis, c'est vraiment magique. C'est vraiment la féminité. Mais c'est une féminité très boudoir, 19e siècle. Et Violette, c'est la liberté. Violette, c'est la liberté. D'ailleurs, je me souviens d'une jeune femme qui dansait devant Violette avec sa jupe, tellement elle était contente. Elle était gypsy. Le château est tout un ensemble, parce que c'est un lieu un peu magique. Et c'est l'occasion pour beaucoup de venir découvrir l'Occitanie, de découvrir le sud-ouest. Moi, j'adore Mirepoix. Je ne sais pas ce qu'il y a à Mirepoix, mais c'est comme une énergie de gaieté systématique. Quand on va sur le marché le lundi, c'est extraordinaire. Quand on y va toute l'année, il y a toujours des festivités à Mirepoix. Un soir arrive toute une famille. C'était la grande fille qui avait choisi de louer les deux roulottes pour fêter l'anniversaire du père. Et il vient avec un livre comme ça, et il me dit, je suis Manouche. Et je lui dis, waouh, super! Et puis, nous allons visiter les roulottes. Et dans Violette, il s'est mis à pleurer. Il m'a regardé, il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit, mais comment as-tu fait? Comment savais-tu que c'était comme ça chez ma grand-mère? Mais je l'ai fait pour ça. Et voilà.